Pascal Garbarigne est un avocat brillant. Pascal Garbarigne est un personnage clivant. Un temps homme de loi militant, il est aujourd'hui un des ténors incontestables du barreau parisien. Il revient avec une sincérité touchante sur cette ambivalence de carrière et de caractère, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Pascal Garbarigne. Ah ben oui, là on est de plein pied là. Oui, effectivement. Alors on va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes de vous. Oh, vous avez il y a de l'émotion de vous et de vos parents. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec cette photo-là, Pascal. Ouais. Qui y a là? Eh ben, il y a ma mère déjà. Et moi, c'est incroyable. Ça, c'est en Corse, mais je me demande si c'est pas... Si ce n'est pas du côté de Sagone, je ne sais pas. Alors effectivement, on est en Corse. Il y a deux remarques sur cette photo, Pascal. La première, c'est qu'il n'y a pas votre père. Non, non, mais il n'y a jamais été. Alors donc, voilà. Vous allez grandir sans votre père. Hein? Et vous allez le voilà. On n'en dit pas plus ou on en dit plus? Non, si vous voulez, l'expérience de la vie fait que vous finissez par analyser, en fait. Et vous analysez et vous en faites une raison. Alors au début, vous ne le digérez pas. Ou plus exactement, au début, vous n'y faites pas attention. Et puis il y a un moment de votre vie où vous vous dites quand même. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est derrière. Mais j'ai toujours considéré que... Forcément, les liens avec la famille ne sont pas des liens normaux. Voilà, dire l'inverse, c'est mentir. Voilà, de vivre sans son père et avoir une famille qui est dès le départ bancale. Vous le reverrez quand même, votre père, quand vous aurez 18 ans. Oui. Voilà. Le lien de sang n'a pas fonctionné. Vraiment. N'a pas fonctionné. Et puis on est en Corse. Oui. On est en Corse et c'est un petit événement quand même, parce que vous n'allez pas grandir à cette époque-là en Corse. Non. Vous allez grandir ici. Voilà, oui. Hein? Avec moi, ben ça c'est mon grand-père, Antoine Garbarigne, et ma mère, ma grand-mère, ben ma mère aussi, parce que voilà, elle a eu un rôle énorme. Voilà. L'absus révélateur justement, c'est vos grands-parents vraiment qui vont vous élever. D'ailleurs, vous allez prendre leur nom Garbarigne, hein? Vous allez prendre le nom de la mère. Hein? Absolument. On est où là? Là, on doit être dans quelle ville? À Puteaux, je pense, puisque j'ai grandi à la fois à Puteaux et à Neuilly-sur-Seine, puisque j'habitais Puteaux et j'étais scolarisé à Neuilly-sur-Seine. Votre grand-père, socialiste, ouais. Républicain, ouais. Policier, Guisonné. Il fait sa carrière sur le continent et à sa retraite, il décide de rentrer justement en Corse, ouais. À AFA. Vous s'installer avec tout le monde et vous le suivez là. Et là, vous arrivez en Corse. Un mot quand même sur vos grands-parents. Ce sont mes tuteurs. Enfin, voilà, c'est eux qui m'ont construit. Avec ma mère, voilà. Mais mon grand-père, voilà, c'était mon idole. Non, je pense, il est mort trop tôt et en même temps, je me suis construit aussi dans son image en espérant que je ne le décevrai pas trop. Bon, je pense qu'il y a certaines fois, il a dû être très déçu, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça me met, voilà, j'ai un peu d'émotion, mais voilà. C'est comme ça. Et heureusement qu'il y avait ma grand-mère aussi, parce que j'en parle souvent de mon grand-père. Voilà. Et ma grand-mère, elle m'a... Qu'est-ce qu'elle fait, votre grand-mère, Pascal? Elle m'a énormément aidé. Elle a été très sévère, mais si elle n'avait pas été sévère, je ne serais pas ce que je suis. Voilà. Elle a été très dure, mais en même temps, voilà. Donc, tout ce petit monde, vous déménagez jusqu'à AFA. Mmh. Et là, je crois savoir, on arrive ici. Ah oui. Vous arrivez au paradis, en fait. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, là, pour le coup. Entre AFA, moi je vivais au village, donc on est dans les années 73-74. Je rentre au lycée Fesch et je m'inscris
Je joue au football et puis je vis au village. C'est-à-dire que je pars de Puteaux où vous doutez avec ma grand-mère, je sortais pas le soir, tout était verrouillé dans le bon sens du terme avec une éducation assez stricte. Et je me retrouve à sortir le soir parce que, voilà, on avait les poules, il fallait faire le jardin, il fallait arroser les copains. Alors là, ma grand-mère avait un peu mis le haut là, mais voilà, c'est exceptionnel. Une liberté, une liberté soudaine et inconnue. Et absolue et inconnue. Et le sport. Ça, c'est le tournoi. Ah oui. Qui est organisé, ça je m'en souviendrai toujours, c'était le tournoi qui est organisé au stade de Mezzavi du GFCA. À cette époque-là, je n'étais pas très bon. On était dans l'équipe 3 et je m'en souviens, mon entraîneur, il avait dit « Bon, écoutez, on met le reste. » Donc il comptait vraiment sur l'équipe 1 et l'équipe 2. Et en fait, c'est l'équipe 3, c'est nous qui sommes arrivés en demi-finale. Si vous me dites comment, je ne peux pas vous le dire, mais voilà. Ah d'accord, voilà. Ok. Donc c'est très très bon souvenir. C'est une belle analogie avec votre carrière. On peut partir de loin et arriver très haut. Eh bien, vous jouez au foot et puis vous ne faites pas que ça. Regardez cette photo-là que j'ai retrouvée. Alors, elle n'est pas de super bonne qualité. Mais pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que je crois savoir, Pascal, je crois savoir que vous avez ouvert une paillote à un moment à Lava. C'est ça. Ben, c'est, voilà. En fait, c'est parti d'une... C'est parti d'une... En fait, d'un pari. Une saison, ça a été un grand moment. Bon, après, on a démonté, voilà. Mais vous avez démonté. On a tout démonté, on était dans les réglos, mais ça a été une année, on va dire, assez rock'n'roll, quoi. Voilà. Et éprouvante. Ouais. Elle est dernière photo de cette pièce, si vous le voulez bien, celle-là. Parce que vous êtes sérieux, tout au long de votre scolarité, vous êtes sérieux. Et vous lisez beaucoup, Pascal. Ouais. Énormément. D'où vient cette passion de la lecture? Je crois qu'en fait... Là, vous jouez au Scrabble, c'est pour ça que j'ai pris vous jouer avec les mots. Non, mais en fait, c'est parce que j'étais souvent seul, et donc il fallait meubler, et puis j'aimais bien les histoires. J'ai toujours aimé les histoires. Donc en fait, je me racontais des histoires, ensuite j'ai lu, et maintenant je raconte les histoires des autres. Mais justement, alors je ne sais pas si c'est à cet âge-là ou pas, mais vous allez lire un livre qui va vous marquer, c'est le livre « L'exécution » de Badinter. Exact. Qui va déterminer votre carrière. On peut le dire. Ah oui, oui, absolument. Robert Badinter, dont j'ai fait la connaissance d'ailleurs en Corse à plusieurs reprises l'été. Voilà, c'est... Ça va déterminer une carrière. Et la carrière, Pascal, on ne va pas en parler là. Oui. On va en parler justement dans la pièce d'à côté. D'accord. Allez, venez avec moi. Allez, Pascal, c'est par là. Prenez place dans votre siège. Merci. Et laissez-vous guider. Donc... La carrière professionnelle, professionnelle, elle commence, mais elle commence avec cette photo peut-être. Ah bah oui, ben ça oui, ça c'est 9 janvier 1991, ouais, ma prestation de serment à la première chambre de la cour d'appel de Paris. Alors justement, à Paris et pas en Corse, Pascal. Non. Et vous ferez toute votre carrière à Paris et pas en Corse. Je voulais faire du pénal et plaider aux assises et j'avais en mémoire, à raison ou non d'ailleurs, le fait que la plaidoirie aux assises c'était dans la grande cour d'assises de Paris où il y a eu tous ces grands procès. Donc j'étais plutôt fasciné par cela et en fait je me suis laissé... emporté par par cette image. C'est cette image-là qui m'a conduit. Et en plus, je pensais sincèrement qu'il était plus facile de faire carrière à Paris que de faire carrière en Corse, parce que je trouvais qu'en Corse c'était très compliqué. Il y avait déjà beaucoup d'avocats, de bons avocats, et que par conséquent la concurrence était plus rude. Et donc, peu de temps après ça, eh bien, j'ai mis cette image. Tribunal correctionnel, c'est votre maître, hein, Charles Robal, il y a qui vous dit il faut commencer au flagrant délit. Ouais. Alors là, et donc, vous faites les flagrants délits et du flagrant délit et du flagrant délit. Ah oui, il m'a si vous voulez, Charles Robaglia, à qui j'ai bien évidemment une pensée très émue, et son fils Jacques, qui était un ami, Jackie,
qui m'ont aidé, qui m'ont mis le pied à l'étrier au pénal. Et je me suis épuisé à la 23e chambre, si vous voulez. Voilà. Il y a quelque chose qui vous plaît vraiment dès cette époque-là, c'est quand on vous dit « Maître, vous avez la parole ». C'est le déclic, si vous voulez. Un tribunal correctionnel, une cour d'assises, c'est un lieu où s'exprime le malheur humain. Et à un moment donné, vous êtes là et on vous donne la parole. La parole de l'avocat, c'est lorsque tout le monde dit oui, c'est le seul qui a le droit de dire non. Ce qui n'est pas mince, et ce qui est très important, c'est une liberté d'expression que l'on connaît nulle part ailleurs, parce que vous n'avez pas de retenue. Tout vous est possible, et tout doit vous être possible. Et si cela n'est pas possible, c'est là où vous devez vous battre, dans le bon sens du terme, réagir, avoir des réactions qui soient positives. C'est la défense avec un grand D. En 1991, vous vous doutez bien que cette découverte de la défense, de l'oralité, de la plaidoirie, de la prise de parole, bon, c'est dur, c'est vous vous jetez à l'eau, vous ne savez pas nager. Hein. Donc voilà, mais la 23e, et c'est pour ça que je rends hommage et à M. Robaglia et à son fils Jackie, c'est que, en fait, ce sont tellement des travaux pratiques. C'est-à-dire que vous apprenez tellement, tellement. Vous prenez. Vous savez que le jeu, c'est à la fin de la journée, enfin, on finit ça à 1h, 2h du matin, c'est de compter le nombre d'années de prison que vous avez pris. C'est toujours à deux chiffres. Hein. Et vous allez continuer de les compter, parce que justement, la défense, vous allez vous faire le défenseur d'une cause, voire d'une guerre. Les avocats de Christian Jean et Patrice Mourat, leurs familles, leurs amis et les militants nationalistes venus les soutenir sont plutôt satisfaits du jugement rendu par les magistrats du tribunal correctionnel de Paris. Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas arrêtée politiquement sur le problème corse. La balle est dans les pieds du gouvernement. Quelque part, par cette décision de justice, cela démontre qu'une solution négociée, qui a toujours été voulue par le FLN Sécanal historique, est toujours possible. Et je crois que dans ces conditions, c'est peut-être un appel du pied. Pascal, là. Eh ben oui, là. Vous dites vous-même qu'à l'époque, vous êtes avocat nationaliste. C'est exact. À cette époque-là, je suis militant nationaliste, je suis militant au sein de la Concolte, et je défends des personnes qui sont présumées appartenir au FLNC Canal historique. C'est mon premier acte de défense militante. Il y en aura bien d'autres. Ah oui, il y en aura bien d'autres. Et il y aura aussi, justement, là encore, avec le procès Colonna. On vous voit avec Maître Maisonneuve, Maître Solacaro, Maître Simeoni. Pourquoi dire je suis un avocat nationaliste? Qu'est-ce qui, vous qui avez prêté serment à Paris, parce qu'à l'époque, si vous voulez, la situation aujourd'hui a énormément évolué. Mais à l'époque, on ne se souvient plus, mais on est dans une situation de navette entre la répression, la discussion, avec un gouvernement qui est totalement fermé, qui donne des sortes de petites avancées comme cela. Et heureusement qu'il y a à l'époque des gens qui brisent leur vie. C'est toujours ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis la cagoule, comme on dit, et qui se sont engagées militairement, alors que rien ne les prédestinait à devenir des clandestins. Et ils ont été ensuite complètement brisés lorsqu'ils se sont fait arrêter. Là, Pascal, j'ai l'impression que vous plaidez. Moi, je m'adresse vraiment à vous. Votre grand-père, républicain, socialiste, pourquoi vous vous retrouvez comme ça dans ce combat identitaire, fond en plus. Si le message subliminal, peut-être, il est une revendication de ma corsitude aussi, surtout.
C'est que c'est un engagement politique, mais aussi c'est une affirmation de mon identité corse. À l'époque, je ne le vois pas. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi et je peux en faire l'analyse dans tous les sens du terme. Et quand on fait cette analyse-là, bien évidemment, il y a une revendication personnelle, surtout. C'est qu'il y a une affirmation de cette identité corse que je revendique à l'époque et que j'ai besoin d'exprimer. Voilà. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Aujourd'hui, je suis corse, point, et je suis fier d'être corse, mais je n'ai plus besoin de le revendiquer, de l'exprimer. Et vous avez dépassé ce combat, et on le voit justement avec vos clients. C'est pas le même combat, là. Là je ne vous le fais pas dire, c'est autre chose. Vous êtes, j'ai l'impression, Pascal, passé complètement, ah, pas complètement autre chose, mais en tout cas, effectivement, il y a un virement. Là, c'est Benoît Magimel. Oui. Et puis il y a lui. Ah oui, ça c'est un. C'est un mythe. Ouais. C'est un mythe. Ça c'est exceptionnel. C'est une de mes plus belles rencontres. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Vous êtes un amour, vous êtes un cinéphile averti. Vous connaissez tout sur le cinéma et vous admirez cet homme-là. Et un jour, cet homme-là, il vous demande d'être son avocat. Absolument. Et il ne vous déçoit pas en plus. C'est un mythe qui ne vous déçoit pas. Non. J'ai rencontré des personnes que je plaçais très haut et qui m'ont énormément déçu. Mais c'est la vie, ça. Et je regrette presque de les avoir connus parce que je préférais, en fait, l'image qu'ils me donnaient. Et là, c'est vrai que je n'ai pas été déçu parce que c'est un homme remarquable qui vit avec son passé. Donc on peut le lui reprocher, mais quel passé ? Et donc ça m'a fait penser, en voyant votre carrière, à cet article. Je suis tombé sur cet article du Monde 2, de la pègre à l'élite, les nouveaux défenseurs du pouvoir. Mmh. Là, on voit Haïk, on voit Herzog, on voit Maisonneuve. Ils ont fait comme vous, ils sont passés effectivement de la pègre à l'élite. C'est exactement le même parcours et on voit... Quelques-uns disent que c'est la robe, c'est une vraie revanche sociale. Est-ce qu'on peut parler de ça avec vous ? En ce qui me concerne, c'est sûr qu'il y avait une revanche sociale. J'avais une volonté de réussir, que j'ai toujours d'ailleurs. Moi, je suis monté au barreau comme on monte sur le ring. C'est-à-dire que je savais que j'allais prendre des coups de poing, mais je savais que j'allais en donner aussi. J'en ai pris, mais... Ben, c'est comme ça. On ne monte pas sur le ring sans penser prendre des coups de poing. Et j'ai l'impression, Pascal, que vous êtes encore sur le ring. Mais ce combat, on ne va pas le continuer dans cette pièce-là. On va aller le continuer dans une autre pièce, si vous le voulez bien. Et vous allez me suivre. Allez, venez avec moi. Merci. Pascal, donc le ring, on le retrouve là, le ring, vous allez voir. Et il a belle allure d'ailleurs, le ring. Hein. Ah, c'est votre site. Oui. Alors, j'ai découvert qu'on a des sites internet quand on est avocat. Bah, ouf, c'est quand ça marche bien. Non, et puis c'est la com, voilà. Justement, c'était la question que je vais faire avec... Voilà, GQ, vous êtes dans GQ, vous êtes parmi les 30 avocats nouveaux rois du barreau. On a l'impression que c'est tout beau, mais en fait, non. Non. C'est très dur, le métier d'avocat. Pour une raison, vous allez me dire si je me trompe, c'est qu'on peut être très bon et puis perdre. Et ça, c'est un des rares métiers où quand on est très bon, on ne gagne pas, quoi. Oui, et on peut être très mauvais et avoir un bon résultat. Oui. Bon, c'est moins souvent le cas. Mais ça, déjà, ça ne va pas être facile à vivre. C'est très ingrat, voilà. C'est un métier qui est très ingrat. Voilà. Vous allez continuer encore longtemps ? Bah oui, bien sûr. Vous êtes embarqué. Oui, surtout que c'est une passion, donc c'est un métier. Et c'est une passion que vous partagez, parce que justement, alors là, vous nous faites vraiment une fleur de venir sur France 3 Corse, mais vous faites quand même quelques plateaux où vous expliquez qui sont ceux qui nous défendent. Mais c'est une question générale que je vous posais. On voit de plus en plus d'avocats aujourd'hui à la télé. On a l'impression qu'aujourd'hui, on fait quand même les procès des gens. Avant le procès, on voit des avocats qui défilent partout sur les plateaux de télévision. On vous voit pas trop, on vous voit moins. Enfin, moi, je vous vois pas trop. En tout cas, je vous vois pas. Non, parce que je refuse aujourd'hui pratiquement la plupart des interviews parce que je considère que la médiatisation de l'avocat a ses limites. Voilà. Alors bon, là, je suis un peu ennuyé pour vous dire ça, puisque on n'a pas parlé d'affaires, Pascal. On a parlé de vous. Je trouve que, si vous voulez,
Le procès, il se fait dans la salle d'audience, devant les magistrats, face aux magistrats. Voilà, ça, c'est important. Le reste, ensuite, ce sont des explications de texte, mais si elle doit intervenir, c'est après. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, vos confrères, notamment dans les chaînes info permanentes, sont très, très demandeurs. Donc, vous êtes sans cesse presque harcelés pour que vous puissiez répondre parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'images, parce qu'ils ont besoin de savoir, ce qui est tout à fait légitime. Mais je considère qu'il appartient quand même à l'avocat, surtout lorsqu'il a une certaine habitude et une certaine notoriété, de choisir. Voilà, je veux dire, on a encore la chance de choisir. On n'est pas obligé de prendre au menu. Cette photo-là. La victoire. Les nationalistes, comment vous la vivez, j'ai envie de dire, Pascal ? Écoutez, pour moi, c'est très difficile d'en parler parce que je ne vis pas en Corse, comme vous le savez. Je viens assez peu, d'ailleurs, en plus. Mais bien évidemment, par rapport à mon combat... du départ, c'est une belle victoire. Il faut s'en féliciter. Ensuite, c'est derrière, non ? J'ai l'impression, tout ça, Pascal. Oui, ensuite, voilà. Vous êtes vraiment passé à autre chose, non ? Je suis très heureux que Heureux ou un petit peu de temps en temps vous dire à l'époque quand on vous critiquait, maintenant les mêmes qui vous critiquaient à l'époque et... Oui, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand je vois certains lever le poing et prendre le drapeau, ça me fait un peu sourire parce que à l'époque, durant les années de plomb, je ne pense pas qu'ils étaient dans notre camp. Voilà. Et vous êtes toujours dans un camp aujourd'hui ? Non, plus du tout. Plus du tout. Alors justement, on va parler là, tenez, on va rester sur cet écran et on va parler peut-être de l'avenir, certainement de l'avenir. Vos enfants, les deux là, Raphaël et Antoine. Et Antoine, ça c'est votre neveu, votre sœur. Voilà. Ils vont se diriger vers la carrière d'avocat. On va en parler vraiment rapidement parce que je sais que c'est pas votre truc de parler. Oui, ils vont porter la robe ou pas ? Non. Ils ont choisi d'autres voies, très bien. C'est comme ça. Et justement, tiens, une autre voie, c'est peut-être celle-là. Pascal, on a eu l'occasion d'en parler, d'aborder un petit peu le sujet. On vous voit de plus en plus dans des téléfilms, dans des films, à l'écriture, vous êtes au style, dans les scénarios. Est-ce que vous allez abandonner la robe pour passer au cinéma ou est-ce que vous n'allez pas carrément même devenir réalisateur ? Non, d'abord chacun son métier. C'est vrai que je suis passionné de cinéma, je l'ai toujours dit. J'adore, voilà, c'est ma passion. Je vois beaucoup de films, je lis beaucoup d'histoires sur les metteurs en scène, que ce soit Orson Welles, bien sûr, Chaplin. Ce sont des visionnaires, ce sont des artistes, Fritz Lang. Voilà, Buñuel, chacun, on s'aperçoit comment ils font un film, quels sont ce qui les guide. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du djihad, je vous donne un exemple, et de ces gens qui deviennent islamistes radicaux. Lorsqu'on veut s'y référer, il y a déjà quelqu'un, un metteur en scène célèbre, qui en a parlé, c'est Louis Malle dans La Combe-Lucien, ce jeune des fermes qui devient gestapiste, qui rentre dans la milice. Uniquement dans le paraître social pour exister, parce qu'il est, il n'existe pas. Il décide, il a l'opportunité d'eux et il choisit le mauvais camp. Et quand on s'aperçoit, quand on voit le parcours aujourd'hui de certains jeunes djihadistes qui sont embrigadés dans un islamisme radical, c'est Louis Malle l'avait dit à l'époque. Donc c'est très important. C'est très important. Que ça soit très important, c'est une chose, même ça vous aide. Mais est-ce que vous allez... Je ne dis pas abandonner la robe, mais vous consacrez de plus en plus, en tout cas, à cette activité. Parce que ça devient une activité maintenant, Pascal. Oui, non, mais je suis très souvent sollicité. Je, encore une fois, avec respect et à ma place qui est la mienne, j'accepte souvent de participer à l'écriture ou de conseiller. Mais voilà, après, si vous voulez, encore une fois, pour avoir été sur des tournages et très présent, c'est vraiment un métier, le travail d'écriture au cinéma ou pour les séries TV, je peux vous dire que c'est vraiment un autre métier que celui d'avocat. Il faut avoir un talent fou, une abnégation, vraiment.
La plume est quand même très très difficile à manier, et ensuite être comédien, et je peux vous assurer pour les petites expériences que j'ai vécues encore récemment, c'est un vrai métier. Respect quoi. Pour les comédiens. C'est respect le plus total. Donc ça restera un hobby. Oui, une passion. Bon, ok, une passion. Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, vous êtes confié de la sorte, c'est rare. Merci infiniment, Pascal. On va quand même faire un petit selfie. Mais c'est moi qui suis honoré. Oh, je vous en prie. Allez, souriez. Voilà. À bientôt. Merci tout simplement. Encore. Et merci encore à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Pascal, c'est par là. Au revoir. Thank you.